Namasté tout le monde, bienvenue à ce direct, en direct du Québec. Je suis arrivé cette nuit, alors je suis heureux d'être avec vous ce matin. J'ai une petite voix là, parce que c'est une journée d'aéroport et d'avion que j'ai vécu hier, alors j'espère que vous allez bien. Ah, je me réveille avec vous au Québec, hein? Ce réveillon, ce pré-réveillon. Coucou Sylvie, allô tout le monde, heureux que vous soyez là ce matin avec moi pour ceux qui sont en direct. Bien heureux de vous voir, ceux qui sont en différé, en tout cas de savoir que vous méditez avec nous pour cette belle méditation. Allô ma belle Fiona d'amour, j'espère que tu vas bien. On finit l'année ensemble, on finit aussi l'année ensemble. Je vous le dis comme ça là, pour ceux qui font partie de ma Sangha, n'oubliez pas qu'à midi, aujourd'hui, et peut-être un peu plus tard, pour ceux qui le feront en différé, eh bien, on a une méditation sur le thème de la renaissance avec des belles citations, un exercice de visualisation, en tout cas, juste des belles choses pour vous également qui sont là. Si vous ne l'écoutez pas aujourd'hui, vous l'écouterez plus tard. C'est là pour les prochaines semaines. Alors, pour ceux qui sont en direct aujourd'hui, le thème, c'est de créer le monde en vous, en nous, en chacun de nous, dans notre esprit aujourd'hui, pour terminer l'année sur une inspiration, tiens, pour apprendre à se vivre dans un monde meilleur, mais qui commence bien entendu une pensée, une croyance, une projection à la fois. Alors, on va se parler de ça aujourd'hui, comment on crée le monde à partir de nos pensées, à partir de nos croyances, comment dans la philosophie bouddhiste, on se projette. Hein? Le monde est une projection de nous, de ce qui nous habite. On le sait, on le dit souvent. Là, on va le manifester aujourd'hui ensemble. Alors, coucou à tous ceux qui me font des petits câlins d'amour, des petits cœurs et tout. Allô, ma belle Pauline. Coucou, Charlie. Allô, Liette. Coucou, Marie-Josée. Bon matin. Allez, on est une gang en direct. Je ne savais pas le 31. Ben, finalement, j'ai réalisé avant hier, c'est Valérie qui m'a fait réaliser que j'avais deux méditations le 31 parce que notre méditation du samedi arrivait le 31. Alors, je suis heureux de savoir que vous êtes là ce matin, mes amours, pour méditer ensemble. Ah, attendez, j'ai mis mon petit verre d'eau. Ouais, je me suis organisé, là. Je vous dis, je suis arrivé dans la nuit. Mes bagages sont même pas encore défaits. Et je me suis installé tout ça dans mon studio. Là, vous voyez, je me suis installé, mais pas, pas encore à la perfection. Attends, pour midi, c'est comme une pratique. Je vais être meilleur, là. Parce que j'avais plus où étaient mes choses. Ça fait 2 mois que j'avais pas été au Québec, là, dans mon condo. Alors voilà. Je me réorganise avec vous ce matin, là. Alors, ma petite maman d'amour qui est là, on va se voir bientôt, bientôt, bientôt. Je suis revenu au pays de la grisaille et du blanc. On va l'appeler comme ça. Et de l'amour. Ah, alors aujourd'hui, mes amours, je voulais qu'on se fasse une petite méditation pour, vu qu'on terminait l'année ensemble en ce 31 décembre, pour se conscientiser, mais pour conscientiser, pour se rappeler à quel point notre relation à l'autre, notre relation à l'univers part de nous, notre relation au monde finalement. Quand on dit on crée le monde à partir de soi, quand on dit qu'on crée notre monde, ça l'a donné la place à toutes sortes d'interprétations, on va le dire comme ça, des interprétations qui ont dit que chaque pensée créait le monde extérieur, chaque pensée pouvait influencer le monde autour de nous. C'est vrai, aujourd'hui on va nuancer un petit peu pour être capable d'avoir une certaine forme de sagesse, puis pas prendre des raccourcis rapides là d'interprétation ésotérique parfois sur des pensées philosophiques et mystiques qui se retrouvent dans des grands volumes là, de compréhension parfois sur la vacuité, le karma, l'interdépendance des phénomènes et des choses, les agrégats des pensées. Fait que quand on des fois on prend juste une donnée mystique ou philosophique sur un petit aspect des enseignements bouddhistes ou védiques ou dans l'Inde antique, ben, ça fait des raccourcis des fois qui vont même nous éloigner de la sagesse qui était contenue dans tous ces beaux enseignements. Alors quand on dit qu'on crée le monde et qu'on crée le monde à partir de notre esprit et qu'on est des créateurs du monde, c'est vrai. Mais on ne crée pas le monde physique à l'extérieur de nous. On ne va pas influencer et diriger le monde. Ce n'est pas un trip de mythomane là, où on contrôle le monde à partir de nos pensées, de notre esprit. Puis si je pense qu'un va être malade, le lendemain, il va être malade. Puis si on n'est pas en train de lancer, là, c'est pas Harry Potter là, dans l'histoire. On n'a pas une influence directe, incisive et unique sur la matière qui nous entoure et les autres êtres humains qui sont aussi dans leur forme spirituelle et dans leur forme de matière. Fait, entendez-moi bien, je veux pas dire qu'il n'y a pas une interdépendance, une interconnexion de toutes choses, bien au contraire, il y en a une. Mais je suis comme pas le seul agent d'influence. Je suis pas le seul influenceur là sur les 8 milliards d'êtres humains et tous les êtres vivants de la planète et peut-être tous les êtres invisibles que je vois pas. On crée le monde à partir de notre esprit parce que ce qu'on nous rappelle dans les sagesses anciennes, c'est que c'est dans notre esprit qu'on projette
des pensées sur le monde. C'est dans notre esprit qu'on interprète le monde qui nous entoure. C'est dans notre esprit, à chaque jour, qu'on crée le monde. On crée véritablement le monde, la façon dont je perçois, les commentaires et les jugements que je vais imputer, hein, je vais donner des imputations, hein, des commentaires qui vont induire une réflexion, une analyse et une perception du monde. Ça, c'est dans mon esprit. Les jugements que j'appartiens sur le monde, ma façon de voir le monde, c'est à partir de moi. Et c'est là où chacun, on vit dans un monde différent. Vous pensez qu'on vivait dans le même monde, hein? Mais non, on vit dans des gens, on est peut-être pas encore 8 milliards, mais un jour, je prends de l'avance là, on est 7 milliards et quelques à vivre dans des mondes, mais totalement différents, paramétrés par des instruments empiriques, hein, nos sens, mais aussi beaucoup par nos relations passées, nos références à notre vécu personnel, nos commentaires, jugements sur le monde, hein, notre analyse des situations sur laquelle des fois on a pris aussi des petits raccourcis pour se faire des conclusions rapides et nos projections de besoins, d'attentes, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Tout ça, c'est notre monde. Dans le bouddhisme, on nous apprend que si on voit des êtres hein, qui se font la guerre en ce moment dans le monde et que ça nous touche, mais qu'on voit des méchants, puis que dans les méchants, on se rend compte que nous aussi, on peut être méchants, puis là, on voudrait les voir souffrir, puis on voudrait se revenger d'eux autres, puis on voudrait punir les gens qui font du mal aux autres, et ainsi de suite. Mais mon monde, c'est quoi? Ben c'est un monde de conflit. C'est un monde d'agression, c'est un monde de colère, c'est un monde où le pouvoir est important, prendre pouvoir sur les autres, où le contrôle va être important, où moi je devrais contrôler les autres, où les pays les plus éduqués devraient contrôler les pays hein, les plus immatures ou en voie de développement ou moins organisés, etc. Et c'est comme ça entre les individus et ainsi de suite. Fait que par rapport à une pensée, un jugement, un système de croyance, votre monde, et c'est vrai que notre monde peut changer, qu'on peut changer le monde à partir d'une croyance et d'une pensée. Le jour où moi je suis tombé dans la philosophie bouddhiste à 18 ans, et par la suite j'ai continué, la pensée sur la compassion a été probablement une des pensées qui a le plus révolutionné mon monde. Et je vous le dis là, c'est au sens littéral, ça a transformé mon monde. Tout d'un coup, le monde qui m'entourait était différent. Je voyais des agresseurs, je voyais des ennemis, je voyais une société désœuvrée, je voyais une perte de sens, je voyais du matérialisme, je voyais tout ce que je critiquais dans mon adolescence, et à un moment donné, j'ai vu de la souffrance. Et dans la souffrance, j'ai vu des êtres humains qui essaient de s'en sortir, j'ai vu des êtres humains malhabiles, j'ai vu des êtres inexpérimentés sur comment se rendre heureux, comment faire du bien autour d'eux. Parce que j'ai choisi une croyance qui a résonné avec moi, qui faisait du sens, hein, qui ramenait le sens de la vie, le sens du monde, mais plus beau, meilleur. Alors pour vivre dans un monde meilleur, il faut choisir des valeurs, des croyances, il faut choisir. Et ne pas être victime, c'est là où la conscience amène le discernement qui est nécessaire au choix, à l'élection, à quelque part de notre système de croyance qui est fait à partir d'une base de conscience, une base de sagesse, et non pas une base d'abrutissement, d'aliénation, de suivre les autres, et ainsi de suite. Ou des fois des réflexes, des mécanismes de défense. Hein? Les autres sont méchants, il y a de l'injustice partout, la vie est dure, hein? On sait, la terre est une vallée de larmes, on l'a entendu, là, on est ici pour s'expier du péché originel. C'était tough comme croyance. C'est comme si on était indigne du bonheur jusqu'à temps qu'on souffre assez. Il y a eu des systèmes culturels de croyance. Puis je nomme pas des religions, ça a été culturel, ça a été politique, ça a été moral, plus que ce qu'on pourrait associer à des courants religieux. Là. Il y a eu des systèmes, à une certaine période où le monde était difficile, où pour donner un sens à un monde où c'est très, très difficile vivre, ben le sens qu'on lui donnait, c'est que c'était nécessaire de souffrir, c'était nécessaire d'être pauvre, c'était nécessaire de se priver, c'était nécessaire le sacrifice. Mais imaginez-vous ce que ça a configuré comme relation au monde, à la vie. Peut-être que vous avez intégré des croyances qui vous maintiennent dans des états hein, de souffrance, de limitation, de négativité, pour vous autres, pour les autres autour de vous, parce qu'on projette nos croyances sur les autres. Aujourd'hui, on essaie de créer un monde où, justement, dans notre esprit, ça goûte meilleur vivre. Ça goûte meilleur vivre pour soi, ça goûte meilleur vivre ensemble. Je pourrais vous donner des exemples comme ça jusqu'à la fin, les miens, les vôtres, les nôtres.
On va méditer. On va méditer parce que je sais que les capsules du samedi, ce soit juste des petits quickies là, d'enseignement et de méditation. Alors, on va méditer. Et ce que je veux que vous regardiez aujourd'hui, c'est dans la prochaine année, dans quel monde vous voulez vivre? En 2023, dans quel monde? Comment vous voulez faire l'expérience humaine? À partir de quel système? Hein, quelle vision? Quel écran là, intérieur de votre esprit? Est-ce que vous voulez celui où, je répète souvent cette citation-là, parce que pour moi, elle est percutante. Hein? C'est Einstein qui disait, dans ses dernières années d'écrit, il y a deux façons de vivre dans le monde. Il y a une façon où on voit tout comme un miracle, et il y a ceux qui ne voient rien comme un miracle. C'est fort. Il y a ceux qui voient tout comme sacré, comme sublime. Il y en a qui voient tout comme une expérience spirituelle. Puis il y en a qui sont condamnés à faire l'expérience de la vie humaine, de la souffrance, des autres, de l'injustice, de la rancœur, de la jalousie, de la maladie, des limitations. Deux mondes complètement différents. Il y en a qui sont accablés devant l'injustice, la violence, puis ce qui se passe dans le monde. Et il y en a qui trouvent que c'est une belle façon de prier pour la paix, que c'est un beau moment pour faire des mantras, pour envoyer de l'amour dans le monde, que c'est une belle façon de reconnecter à des valeurs humaines plus profondes et essayer de les agir en conscience, en méditation, dans la vie quotidienne. Il y a plusieurs chemins dans le monde où on peut se vivre et rencontrer le monde à partir des espaces qu'on appelle de clarté dans le bouddhisme, qu'on appelle de lumière intérieure. C'est comme si chaque fois que j'ai une croyance et une pensée qui se connecte à mon dharma, à la sagesse profonde des choses, à ma vérité d'âme, on dit dans le bouddhisme que à chaque fois que j'allume la lampe du dharma à l'intérieur de mon cœur, à travers moi, le monde s'illumine. C'est beau, hein? Moi, j'ai dû lire ça dans le Dhammapada, peut-être dans mon début, ça fait plus que 20 ans. Et je relis ces textes-là et je me les redis toute la journée quand justement je perds la connexion avec la beauté du monde. Lorsque j'allume la lampe de sagesse, la lampe de dharma en moi, la sagesse, à chaque fois que j'illumine cette lampe-là de sagesse, j'illumine le monde. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On illumine le monde. Alors, je l'invite à prendre une belle posture de méditation, ma belle sangha d'amour, pour qu'on fasse notre pratique. Et vous savez, demain, il y a un petit défi qui commence. On est déjà plus de 150. Je pense qu'on va atteindre 200 si ça continue comme ça dans la journée. Mon téléphone est en train de faire du vibrato, de l'inscription. Mais n'oubliez pas que demain, pour ceux qui veulent, on a aussi un défi. 21 jours qui commence sur vivre libre et sans peur, hein, pour s'épanouir à l'infini dans la prochaine année. Je vous ai mis le lien dans la vidéo si vous voulez. Ah, et là, j'ai pas mon micro, fait que je vais faire attention de ne pas descendre trop ma voix dans la méditation, je le sais. Je reçois des postes de commentaires. Alors, prenez une belle posture pour méditer. Une belle sangha d'amour. Allô, ma belle Manon Saint-Pierre de mon cœur. Allô, mes amours. Je suis revenu. Est-ce que vous êtes là? Oui, je sais que ça a figé. C'est parce que j'ai eu un petit Saïd qui m'a appelé du Mexique pendant ma méditation pour une raison X. Pas de vidéo. Est-ce que figé ici aussi? Est-ce que là, je suis revenu? Il fallait bien que je sois au Québec pour que le Mexique interrompe la méditation. C'est le seul qui passe à travers mon filtre, ne pas déranger. Qu'est-ce qui se passe, Claude? Qu'est-ce qui se passe? Interruption. Bon, là, je vois que j'ai des petits cœurs, mais je vois aussi que vos textos sont en retardement, je crois. OK, je vois un yé. Je vois qu'on a perdu du monde, mais bon, ainsi va la vie. OK, OK, merci ma belle Isabelle d'amour. Ben, c'était le temps pour méditer. Ça donne bien que ça a été pas dans la méditation, hein? Ah, mes beaux amis d'amour, merci d'être revenus avec moi. Alors, on a écouté tout l'enseignement de Dharma. On est prêt à illuminer le cœur et l'esprit et vivre avec tous les impératifs de cette belle technologie. Ah, prenez une posture de méditation, moi aussi, là, je vais me calmer. Alors, je vous invite à vous déposer, vous asseoir. Respirez calmement. Prenez deux ou trois belles grandes respirations profondes. On immobilise le corps et on se réjouit de cette immobilité qui est comme un refuge à quelque part. On peut garder les yeux mi-clos, les yeux fermés.
Prendre quelques belles respirations profondes où on amène l'attention sur le souffle, les douces sensations à l'extrémité des narines. Ça inspire, fraîcheur. Ça expire, chaleur. Inspire. Expire. Et on peut inviter la douceur dans le souffle. Inviter la douceur dans le corps. Inviter la douceur dans l'esprit. Et ça respire. Doucement. L'attention se dépose sur le souffle et uniquement sur le souffle. On peut inviter la respiration à être plus profonde. Ça inspire et le ventre se gonfle. Ça expire et le ventre se dégonfle. Gardez l'attention le plus possible sur le souffle et uniquement le souffle. Comme si en ce moment c'était la chose la plus précieuse au monde. Et je prends conscience que le monde qui se vit autour de moi prend naissance à l'intérieur de moi. Je me rappelle cette douce sagesse, cette vérité toute simple. Que les événements, les autres, les contextes dans lesquels je me vis, l'environnement, ce qui m'entoure, se manifeste à travers moi. Se manifeste à ma conscience, à travers le spectre de mes pensées. De mes jugements. De mes croyances sur le monde. Sur les autres. Sur moi-même. Et si je désire changer le monde, je n'ai qu'à transformer mon esprit. Et le monde se manifestera à travers la clarté de l'esprit en moi. Et non pas les brouillards d'ignorance, les perturbations, les négativités de mon mental.
Et je peux prendre conscience comment dans la dernière année, il y a des moments où tout est devenu noir en moi. Négatif, dans la peur, le désespoir ou la colère. Et qu'en ce moment, même les plus belles, les plus grandes beautés du monde, et même la tendresse et la bienveillance, et toutes les qualités du monde ont disparu. C'est à travers mon esprit que se manifeste le monde à ma conscience. C'est sur mon écran mental que se projette le monde, que je reçois les circonstances, l'environnement, les situations, l'autre. Et si je veux changer le monde, je peux changer l'esprit à partir duquel je vois le monde. Je peux ramener dans mon esprit cette lumière d'espoir, cette lumière de confiance sur la beauté et la bonté du monde. Je célèbre ma sagesse. Ma lumière intérieure. Je célèbre la vie dans sa grâce, dans son mystère, dans son miracle. Et je me vois comme un miracle. Et je vois le monde comme un miracle. Dans laquelle peut se transformer toute adversité en paix. Je vois le monde avec compassion. Je vois toutes les créatures avec amour. Je vois les êtres humains avec la bienveillance d'une mère. Et surtout ceux qui souffrent et qui font souffrir les autres. Et je vois la nature avec dévotion et respect, tous les cycles des saisons, toute la nature qui m'entoure, celle de la planète entière. Je me vois comme un espace spirituel et sacré dans lequel se vit l'expérience humaine. Et je me vois comme un espace de clarté, d'amour et de sagesse. Et je me vois comme la lumière du Dharma qui illumine le monde, transforme le monde. Car le nouveau monde, il est en moi. Car la révolution, elle est en moi. Et c'est à partir de moi, de mon essence, que je crée le monde dans lequel je vis.
et je choisis de vivre dans le plus beau des mondes, comme si l'éther pur de la félicité était ici et maintenant. Et je rencontre le monde et les autres à partir de ce cœur de sagesse, cet espace de pardon, cet espace de bonté, cet espace de joie, et cette paix immaculée qui est en moi. Et ceci est mon monde, le monde que j'illumine à travers ma conscience et mes qualités de cœur à chaque instant. Et vous pouvez prendre quelques belles respirations profondes, garder un beau sourire aux lèvres. Prenez les mains namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez la conscience et cette belle chaleur au cœur, au centre de la poitrine. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son homme. Namasté. Namasté, mes beaux amours. Merci beaucoup d'être là pour conclure l'année ensemble. Merci d'être là avec les défis techniques de la dernière année. C'est de ce matin. C'est un exemple de l'impermanence du monde. Merci infiniment pour la plupart d'entre vous. On a passé beaucoup de temps de méditation, des temps de réflexion, des temps pour se brasser les idées, se brasser les croyances, des fois même être courroucé là, avec notre petit ego à l'intérieur de nous. Merci infiniment de faire partie de cette belle grande famille d'âmes, hein, parce que tu sais, l'âme c'est infini, c'est interconnecté, c'est là avec tout le monde. Je vous appelle mes amours parce que c'est vrai que sans connaître la plupart, certains d'entre vous que je croise des fois même à Zipolite, au Mexique, en Europe ou dans tous les pays où je vais, je réussis à avoir quelqu'un qui finalement me connaît et me voit et on se fait des belles accolades. Fait que des fois on se fait des coucous surprises, hein, sur la planète. C'est arrivé dernièrement à Zipolite, c'est ce que j'en parlais. Fait qu'on se connaît pas, mais on se connaît, on se voit. On se voit à travers une sagesse qui est universelle, on se voit à travers des méditations, on se voit à travers des moments de prise de conscience. Alors, merci infiniment d'être là et qu'on puisse partager ces espaces ensemble. Pour moi, ça me redonne espoir, pour moi, ça me reconnecte avec ce qui est le plus beau de la spiritualité, la Sangha. Et merci infiniment d'être ma Sangha, d'être la Sangha, de faire de moi votre Sangha, et ainsi de suite. Et je vous souhaite que toute l'année, on réussisse à recréer, renouveler avec effort, avec conscience, des espaces où ça goûte bon à l'intérieur, vivre dans le monde. Parce que même si c'est pas toujours facile, se vivre dans le monde, les autres, mais au moins si je peux construire à l'intérieur de moi une forteresse hein, de vertus spirituelles et de sagesse, eh bien ensemble, ça va goûter bon. À très bientôt. Namasté.